putain. T'as trouvé un iPhone? Ouais. Oh cool. C'est bien. Tu vois? Bah franchement. Attends, ça tourne. Une vidéo. Eh hey, salut, hey. C'est le début du vlog. Est-ce que vous avez vu, mais nous, ouais. La vidéo sur les Oscars est sortie, voilà, ça fait longtemps même qu'elle est sortie. Oui, ça fait très longtemps pour vous. Vous avez tous les résultats. Non, on va plutôt mettre en avant une autre vidéo, regardez, elle est en fiche. C'est Universal. Ici? Ici. Ouais, c'est Universal. C'est Universal. C'est nous à Universal. On n'est pas trop encore parce qu'on ne sait pas encore exactement quand ça sortira, mais on vous emmène à la découverte de Los Angeles. Mais de l'autre côté, on a un peu trop fait... On est à Los Angeles? Oui. Bon, on a un peu trop fait Hollywood, maintenant on va un peu ailleurs. Et du coup là aujourd'hui on est à Echo Park, c'est vraiment très joli. Petit parc, c'est un peu le... C'est quoi l'équivalent à Mulhouse? C'est le parc Scheinbar. Ou l'orangerie. Ouais, j'aurais pu te dire l'orangerie à Strasbourg. Enfin bref, c'est très joli, regardez, vous mettez des plans Shutterstock. Ça c'est la statue, j'ai rien fait. Pour ceux qui se demandent... Elle est tout le temps comme ça, j'ai rien fait. C'est pas moi. Trust me, I don't give a shit. And I will fight anybody, anytime. I'm your worst nightmare, fool, so give up. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai échappé aux flics. Par contre, pas assez de doute. Regardez, il y a la maison de Breaking Bad là-bas. Alors, je ne suis pas un grand gangster vu que j'avais que 2 étoiles. Par contre, on va aller voir la maison d'un autre grand hors-la-loi. Oui, on ne vous dit pas qui, mais vous allez voir ça tout de suite. Putain, il fait tout le temps tomber son téléphone, lui. Bon, on vient d'arriver à la destination. C'était un peu rapide pour vous, regardez. On est... Wow. C'est là, la blanche, là? C'est moi. C'est ouais, c'est la blanche. Tiens, move un peu. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu? Move un peu. Est-ce que vous reconnaissez ou pas? Et devant le magasin de Toretto et de sa sœur, c'est où? C'est dans le 1, non? Ouais, dans le 1. Et il y a Brian, à un moment, qui débarque ici parce qu'il veut bouffer sa sœur et il veut bouffer chez Fushimia ou je sais pas quoi. C'est où? Voilà, cette séquence n'a pas beaucoup d'intérêt si ce n'est pour vous dire qu'on est arrivé à Downtown. Il fait énormément chaud. Sur une échelle de 1 à 10, t'as chaud comment? 58. D'accord, putain, c'est quand même assez froid. Bah c'est un chiffre pair. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est bon, on... Ça va, va bien? Vous? Alors là, on est devant l'hôtel de ville de Los Angeles. Putain, le mec, il passe d'un con à un mec ultra sérieux en 2 secondes. Il est dans plein de trucs, il est dans GTA. Il est dans... Bah, dans GTA, d'ailleurs, il y a le poste de police à côté. Vous vous en souvenez si vous êtes mort à un moment dans le jeu. Et il est très connu parce qu'il est dans plein de films. Pensez con, mais à Gangster Squad, avec Josh Brolin, Ryan Gosling et Maston. Ça se passe près de là. Bah, c'est grave cool. Il y a un Starbucks juste là.
Ridicule. Ridicule. Plus la merde, ta danse. Si vous aussi vous dansez comme ça. Enfin, vous avez compris quoi. Attendez, je vais lui demander un autographe. Eh yeah. Hey, ça va? You're a huge fan in France? Pas du tout. That's right. Alright. Fuck yourself. C'est beau ici, hein. Regardez, c'est le parc du City Hall de Los Angeles. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure, je répète tout simplement ce qu'on a dit. Les enfants, on a une petite question, point culture pour vous. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Los Angeles? Voilà. Moi, j'ai proposé les anges. Après, ça n'a pas été validé par Angeles. Los Angeles. Non, mais en vrai, c'est une bonne question. Ah, mais je sais pas. Ah, c'est ça du coup, français ou anglais? C'est une bonne question. On dit c'est une bonne question. Il s'appelle du coup c'est une bonne question. Ouais. Les habitants. Putain, c'est un peu long quand même. C'est beaucoup de questions. Ouais. C'est un peu mieux que Bulusia, mais c'est ça. On va aller au Bradbury Building. C'est un hôtel très connu pour le cinéma. Il y a eu qui artiste là-bas qui était tourné, Blade Runner. Vraiment, ça tout de suite. Oh, c'est beau. What? T'as vu le bâtiment en face? C'est beau. Le mec très peu impressionné par la. C'était ouf. En plus, vous avez vu les films, ça fait trop bizarre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont tellement. C'est tellement restreint. Ça veut rien dire. Restreint. Que tu peux pas aller dedans en fait. Enfin, tu rentres dedans, tu peux voir le truc, et tu peux pas monter et tout. Enfin, après, c'est logique. Nous sommes au The Last Bookstore, à Los Angeles. C'est comme le nom l'indique, un des derniers bookstores de Los Angeles. Voilà. C'est très cool. Thomas est tellement content qu'il danse. Thomas il aime pas trop les bookstores, mais c'est pour ça qu'il danse. C'est un peu en mode ouais c'est derrière. Je vois rien, je peux plus. Voilà, il a pas de lunettes, donc je peux pas lire. Là c'est bien parti parce qu'on a failli le louper celui-là, mais je voulais absolument mon milkshake à la vanille. Et nous, ma pièce. Et donc la suite de l'histoire, on a pu rentrer dans la Maze Bank, mais vraiment pour un prix à défier la concurrence. En vrai ils nous ont fait une ristourne pour les trois, on est passé en mode famille et tout. On paye 20$ pour un truc qui en vaut le double. Ah, par contre juste un truc qui est un peu chiant, c'est que c'est blindé. Salut, je sais pas, je vois rien. On est tout en haut de la Maze Bank, vous voyez. Je pense qu'ils connaissent cet endroit-là où on est actuellement. Parce que c'est l'endroit où vous étiez quand vous sautiez de la Maze Bank et vous n'arriviez pas à sauter dans le vide, du coup vous atterrissez sur cet endroit-là. Alors on est à cet endroit-là. Pour un petit verre, très beau, très agréable. Un verre de glaçon. Verre de glaçon. Bon bah c'était génial, on vient de faire, c'est sur quelle voie c'est ici? On vient de faire de la Bird, j'ai payé une amende de 7$ et j'ai pas pu en faire vu qu'en fait j'ai pas de connexion internet aux États-Unis. C'était nul, voilà, trop bien. Et j'ai plus de batterie donc là c'est, voilà. C'est, ah bah on arrive à la fin, c'est les derniers mots de mon portable. Et voilà c'est la suite du vlog. C'est pas mal. C'est la Golden Hour en plus, putain c'est trop beau. On a une couleur de malade. C'est incroyable, là il y a toujours des images à chaque fois. Grâce au monteur Florian, on peut le remercier. Ciao. Voilà, et là vous remarquez qu'on est à pied. Bah là on va réaliser un rêve de gosse de Thomas. Tiens.
Ah bon, c'est toi, c'est... Ah merde, c'est moi. C'est toi Thomas? C'est moi Thomas. Attends, c'est quoi ton prénom de nom? C'est Baptiste. Baptiste, d'accord. Ok, c'est le skatepark de Venise. C'est un peu le skatepark iconique. C'est pas le meilleur, c'est pas, c'est, enfin, c'est le skatepark iconique quoi. Le, c'est ici que. Tu une troisième fois pour être sûr. C'est iconique. Non, je perds mes mots. Vous allez voir les images. C'est ouf. C'est incroyable. Thank you. Bye. Je vais fermer la porte dessus. Non, tu vas faire mal. Ça t'a fait non, non, c'est pas sortir. Yes, bon, bien joué. Tu l'as filmé, ça ou pas? On va voir les images. Je suis même pas sûr qu'il l'ait touché. Bon, après cette séquence d'une grande tristesse, bienvenue à Beverly Hills. Hey, Beverly Hills, c'est juste là. C'est là que j'habite ou pas? Oh, viens, l'américaine. Non, t'habites à Mulhouse, toi? Non. Si, si. Non. Ouais, tu peux couper ça parce que c'est un peu gênant. Ouais. Oui, c'est beau, il y a des palmiers partout. Il y a des baraques. Des baraques qui valent plus cher que toute notre vie réunie. C'est bon? On est à Beverly Hills. Beverly Hills. Beverly Hills, connu comme étant. Bah, c'est un peu le quartier, quoi. Je sais pas comment dire, mais le quartier résidentiel. Des gens fortunés de Los Angeles. Ici, c'est les gens qui ont un beau compte en banque. Voilà, c'est les avocats, les médecins. Vous voyez le découvert avec le cinéma. Third Street, on va faire des boutiques et on va faire quelque chose. Normalement, si tout se passe bien, on va faire de la réalité virtuelle. On vous dit ça juste dans 5 minutes. C'est parti, attention rapide. Have you ever seen a man out of fear die? Gave his life for a dream. Born hustler, so the game can see. I gave his peace, but now I'm free. How can you blame me? I was born. C'est très très cool. Alors, je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait de ma vie. On est d'accord. En termes de VR, c'est incroyable. Il n'y a pas plus ouf. C'est vraiment très très immersif. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas un VR où tu bouges pas. Non. Là, tu bouges partout, il y a des salles et tout est touchable. Il y a des trucs touchables, genre il y avait on un. On peut se tirer dessus, on sait tirer dessus. Et c'est agréable, il dit. Non, c'est pas. C'est bizarre. Mais c'est ouf. Bien. Vous pensiez vraiment en avoir fini avec moi, mais non, l'œil voit tout, et l'œil est partout. À vrai dire, il est là depuis le début. En fait, on va faire beaucoup ça pendant ce vlog, c'est on va prendre des lieux que vous croyez cultes, et on va les démonter et dire, en fait, dans la vraie vie, c'est nul. Voilà. Et il sera là encore longtemps, mais ouvrez bien les yeux, l'œil vous appelle, et bientôt, il sera vôtre. Wow, c'est bon? Je peux faire mon outro là? Vas-y, tu peux. Super, bah, j'espère que cette semaine vous a plu. Enfin, j'espère que vous avez kiffé nous voir dans nos aventures à Los Angeles, en tout cas c'était ouf. Mais oui, non, mais abonnez-vous parce que des vlogs comme ça, il y en a. Au moins une fois par an. Ouais, pas tout le temps, mais on peut pas tout le temps. Sur cette chaîne en plus. On se retrouve de toute façon bientôt pour des critiques, pour des vidéos sur le cinéma, donc abonnez-vous. Par contre, les gars, oui, il était 11h15, on a l'avion à 11h30. Oui, mais non, mais c'est bon, il y a le décalage. Non, il n'y a pas de décalage horaire dans les minutes, ça marche pas. Ah non, mais on est ici, donc le décalage, c'est pas. On va y aller.